Ils ont adoré ça. Les petits conseillers lucenais ont eu droit récemment à une visite privée du centre de secours. Une matinée chez les pompiers pour tout comprendre de ce métier qui les fait rêver. D'autant que le centre leur a dévoilé tous ses mystères, ou presque, et que Julien Joly, pompier professionnel, leur a tout expliqué de cette vie hors norme. Bref, une visite passionnante et instructive. La volonté pour nous cette année, c'était effectivement de faire découvrir ce qu'est un centre de secours et peut-être de permettre à des jeunes plus tard devenir ne serait-ce que déjà des sapeurs-pompiers volontaires. On sait que donc, le centre de Luçon est un centre de formation pour les tout jeunes. Donc à partir de là, on s'est dit pourquoi ne pas commencer à faire découvrir donc, sur les écoles primaires de Luçon et notamment auprès du conseil municipal d'enfants cette belle caserne. Tous les ans comme ça, vous essayez de les emmener sur le terrain, voir des choses assez concrètes. On se souvient que l'année dernière, ils avaient été visiter la station d'épuration. C'est vrai que je suppose que ça leur parle beaucoup mieux quand ils sont là au milieu des professionnels. Oui, et puis c'est toujours intéressant pour eux, ne serait-ce que déjà pour leur propre culture, et puis de savoir aussi quels sont les services. Comme là, il y a des services publics, des services qui sont à leur disposition au sein de la ville, qui permettent ou la sécurité ou le bien-être. On parlait tout de suite, bien sûr, de la station d'épuration. Donc à partir de là, ça débouche sur l'environnement, sur beaucoup de choses, sur le bien-être et la protection, bien sûr, sanitaire des personnes. Et aujourd'hui, on est bien sûr sur le centre de secours, et là, on est vraiment sur la sécurité à la personne. Et une chose est sûre, le métier de pompier n'en finit pas de faire rêver. Lucie, par exemple, a beaucoup aimé. J'ai bien aimé parce que c'est instructif. On apprend plein de choses qu'on ne savait pas. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus ? Les camions surtout. Puis les ordinateurs, comment les données arrivent aussi. Quand le bip... Les gens, les sapeurs-pompiers volontaires, la nuit, quand ils dorment, des fois, ça les réveille. Voilà. Rien de tel, en effet, qu'une visite sur le terrain pour comprendre les réalités de ce métier et surtout susciter des vocations. Oui, alors c'est vrai qu'ils ont eu un cours théorique au préalable qui effectivement est différent de la procédure qui est beaucoup plus dynamique. Là, ils découvrent les véhicules. Donc au départ de la réunion, il y avait un seul jeune qui était peut-être... potentiellement pompier volontaire dans quelques années. On va peut-être en découvrir d'autres à l'issue donc de cette visite. Et effectivement, nous en avons trouvé deux au moins qui avaient envie de franchir le pas. Un pompier professionnel, ce serait bien. Qu'est-ce que tu aimes chez les pompiers ? Leur métier, le sport, l'action. Quand je serai plus grand, je voudrais faire pompier volontaire et peut-être professionnel si je peux. Tu connaissais déjà la caserne, tu avais vu les engins ou c'est vraiment une découverte ? C'est vraiment une découverte. Alors, qu'est-ce qui t'a impressionné, étonné, surpris ? Le matériel, comment c'est grand, le sport, puis aider les gens. Et Alban Jimitri ou tous ceux qui sont intéressés pourront toujours rejoindre le corps des jeunes sapeurs-pompiers. Ils sont 12 actuellement à participer à cette formation créée il y a 3 ans au centre de secours lucenais et qui connaît un succès grandissant.